ravie de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition avec l'entreprise Congo Business and Trade for Development a remis le vendredi 17 août deux brevets aux participants de la troisième édition de la formation organisée par la délégation du Centre Wallonie et Bruxelles. Le cadre choisi, la bibliothèque de cette institution de coopération belge. José Mouyaya. C'était lors de la clôture de la troisième édition des formations sur le renforcement des capacités axées sur quatre modules, à savoir le management des entreprises et entrepreneuriat, l'assistance des directions, le leadership transformationnel et les cours des personnalités que ces lauréats ont été outillés pendant trois mois à la délégation Wallonie-Bruxelles. La cérémonie de remise des brevets a connu la participation de la déléguée générale du Centre Wallonie-Bruxelles, Catherine Brahim, et le directeur général de l'OCC. Après les différentes allocutions pour la circonstance, dont celle du formateur principal, Austin Emeka, était venu le tour de la remise proprement dite des diplômes. Austin Emeka, formateur principal, donne ici et circonscrit l'événement. Nous avons commencé cette troisième édition de formation depuis le mois de juin, avec les différents modules qui ont été prévus, le module sur le management des entreprises, l'assistance de direction, le leadership transformationnel et les cours de personnalité. On a respecté les calendriers qui ont été élaborés. Ce sont des formations de renforcement de capacités. Nous avons également prévu des éditions de formation l'année prochaine, à la même période, autour du mois de juin jusqu'au juin, juillet, août, septembre, à l'intention de tout le monde. L'un après l'autre, les formés ont reçu le brevet certifiant leur participation à cette formation de renforcement des capacités. Raison de leur joie. Nous avons suivi une formation consacrée sur la personnalité et d'autres modules. Cette formation a été utile pour nous parce que c'est une formation qui contribue au renforcement des capacités, un séminaire qui contribue aussi à la mise à niveau, n'est-ce pas, des responsables des ressources humaines. Mes impressions sont un peu émotionnelles. J'étais un peu surprise quand nous avons commencé notre formation. Alors je ne m'entendais pas. En principe, je devais faire le management à l'université pour apprendre tout ce que j'ai appris ici. Mais je l'ai appris dans trois mois et de très grandes choses. En tout cas, félicitations. Je sais que je serai une bonne entrepreneuriat. Je ferai l'entrepreneuriat, je serai une bonne chef, une leadership de qualité. C'est dans une ambiance de fête que cette activité s'est clôturée. Dans le même ordre d'idées, il n'est jamais tard pour apprendre dans la vie, dit-on. Le centre de formation Consolate vous offre une seconde chance de vous former en anglais, informatique, pâtisserie, boulangerie, coupe-couture, esthétique et autres. Compte rendu avec Noëlla Anakeka. Apprendre pour être indépendant est le slogan qui anime les participants au module de formation que dispense le centre de formation, la Consolate. Sous l'étiquette de formation semi-gratuite en anglais, français, informatique, boulangerie et pâtisserie, coupe et couture, esthétique et décoration, secrétariat de direction, auto-école, hôtellerie et restauration, alphabétisation, de la théorie à la pratique, un programme complet et costaud pour une bonne assimilation en un temps record à la grande satisfaction des formés. Bon, banda na sali na banti formation na sali un mois. Na un mois na yebi vraiment belé pour maman Myriam a pesa ka formation penza bien banda na ye awa don naza vraiment ya aussi pi na makasi. Impressionnés, ces bénéficiaires peuvent qu'en parler. Na un mois on a sali awa na yebi te sou na ba centre msu seza bongo. Donc première fois na ngai na mona béni au coco, béni aux pommes de terre, béni au poulet, donc il marque nga penza makasi. Et ça bien pour la ngai, pour aider nga à la langue, na koko zobi musala moko boye, peut-être na pâtisserie, peut-être puis na cuisine, et ko aider ngai pour na za déjà na formation, déjà na za quelque chose donc tout nga na ou défendre yango. Les métiers souvent négligés, mais ils en ont tiré profit.
Kofanda nanda ko penza eza penza bien te. Ko nanda ko bénéficier ni lugo te ton ti poko talaga TV donc wana penza au moins te zo perdre temps na yo na moment on eza ba ninga lokola biso to yeko yekola to yeko zo formation na biso po to yebi après formation oyo par rapport ya ninga mama Miriam zo former biso donc musa leza ya sûr nga pe na yeba ke lokko te tona yakia. Mais na centre o ba la kisinga yi biloko ebele o na yeba kite mais awa na yeko apprendre en haut. Bon, donc, baïa, baïa, bélé, bon, ça jamais déçu. Créer plutôt de l'emploi au lieu d'en demander, centre de formation Consulat, voici notre repère. Découvrez dans cet élément les objectifs et la vision du centre des formations Consulat que dirige Myriam Kadima. Elle est au micro de Noïla Anakeka. Oui, centre Nabiso Otobengakala Consulat. Pourquoi d'abord tu peux savoir comment il y a Consulat? Consulat vient du mot consolation. Donc, tu y a pour nous consoler, bande ko oyo bazana rupture, il y a rupture scolaire. Donc, au bazwa chance ya ko tangate, azwi chance ya ko silisa ba classe te, to azwa ki pe chance ya ko silisa classe, mais ayeko la ki musala maboko te. Ne to pesa yango kombo consolation pour te consoler bana Congo te consoler peuple de Dieu formation zo pesa mana consolat to koki ko benga yango za semi gratuit parce que to singa kambongo mo pa mukie soko meme kaka $100 inscription chaque fin de mois zo futa kaka $20 par formation tellement ba to ebele ba ebika consolat ezalaka ya ofele. Même si tozolo baba mbongo wana ezalaka pasi po étudiant aya afuta monti na suka et ninge to suto mesana na gratuité wana to bengana ka bangote to fonctionna kakaka na ba frais na biso moko tozana partenaire té e koza la buto somba ba matériel wana depuis 2015 ba matériel msusu zo kufa tellement que tozana financement té bana pe bazo futa malonga té to bengana ka pété. Après formation, tant que si ça premièrement, tu as un brevet. Tu as un partenariat, tu as un hôtel, tu as un restaurant. Ce qui est un peu de silicite orienté, même si tu as une auto-école, même si tu as une esthétique, un salon de coiffure et Zalaka, tu as un peu na ba restaurant ba ke ba sali o ya manifester besoin mususu akoki ko ya aza deja na moi musala moko quelque part mais o yo vraiment aza dans les besoins t'orienta kabango très bien nazo do bana bande ko na biso nyonso na bandina na ba pasteur o ya bonne foi ba mama ya malamu o nzamba pesi bango ba moyen ba papa ba ONG ba structure oyo bazomona déjà quelque chose o bakoki ba banque ba tout en tout cas porte na biso eza polele et toza na centre de formation la Consulat o ezwami na avenue Lopori numéro 15 na commune ya Kasavubu na kati ya enceinte ya église EJCC Kasavubu numéro na biso ezali 084 25 75 862. Un pas vers la politique, les débats sur les élections voulues libres, inclusives et fiables envenime la classe politique congolaise à quelques mois de la tenue de scrutin selon les calendriers de la CENI. Qu'en disent alors les analystes sur ce sujet? Suivez. Le torchon brûle entre la majorité présidentielle alliée du FCC et l'opposition sur la machine à voter et d'autres irrégularités constatées à la CENI. Le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie sur l'enrôlement de mineurs, les manques d'empreintes, au total 16 millions d'enrôlés, empoisonnent le débat. Toutes ces questions fâchent et laissent l'opinion perplexe. Une autre interrogation qui alimente les discours tourne autour du refus du gouvernement congolais d'associer les partenaires extérieurs dans le financement des élections. Autant de sujets auxquels s'est intéressé Dieudonné au Congo. La CENI pense que pour que nous puissions vraiment aller aux élections cette année, il faut utiliser
cette machine-là. Alors, c'est à nous maintenant de voir si nous sommes prêts à aller aux élections ou pas. Mais à ce que je sache, en termes des élections, les élections en RDC ne sont pas obligatoires. On n'oblige pas quelqu'un d'aller voter. Ce n'est pas obligatoire. Si quelqu'un pense que lui ne peut pas voter, il est libre. Ça fait partie aussi de la liberté d'une personne. Mais par rapport à la classe politique, est-ce que nous avons besoin des élections ou pas? Ça aussi, c'est une question fondamentale. Si nous avons besoin des élections cette année, l'expert, parce que la CENI, c'est lui l'expert pour l'organisation des élections, nous dit pour cette année, il faut aller avec la machine. Alors, si nous ne voulons pas cette machine, il vous dit, ça sera impossible d'organiser les élections cette année. En ce moment-là, la CENI a même donné le temps qu'il faudra. Je pense qu'il a parlé de plus de 500 jours qu'il faudrait lui donner pour organiser les élections. Donc, la classe politique doit s'assumer. Soit nous allons aux élections, soit nous n'y allons pas. Mais s'il faudrait aller aux élections, je pense que nous devons recourir à ce que l'expert nous dit. L'analyste politique salue plutôt la position du chef de l'État tout en mettant des doutes sur la volonté réelle de l'opposition pour parvenir à une candidature commune. Nos amis de l'opposition, c'est avant même le dépôt des candidatures, ils ont commencé à parler des candidats communs de l'opposition. Moi, je pensais qu'ils allaient trouver ces candidats avant même le dépôt des candidatures. Mais j'ai remarqué que tous ont déposé les candidats, les candidatures individuellement. Et je suis en train de me poser la question de savoir comment ils finiront par trouver un candidat commun dès lors que chacun a dépensé aussi son argent. Mais peut-être ça fait partie de leur stratégie. C'est-à-dire, sur ce plan-là, je ne sais pas trop commenter, mais juste que je suis en train de me poser beaucoup de questions par rapport aux égaux que présente chacun d'eux. Quand je vois des candidats comme Félix Tshilombo, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou et tant d'autres, je me pose beaucoup de questions. Comment ils vont s'accorder pour trouver ces candidats communs? Pour dédonner au Congo la machine à voter ne pose pas problème. C'est plutôt la classe politique congolaise qui n'est pas prête à aller aux élections. La population a besoin de beaucoup d'autres choses. Si vous descendez réellement auprès de la population, vous allez dans le Congo profond, vous posez les véritables problèmes de la population, ils ne vous diront pas que ce sont les élections. Mais il y a un groupe de gens qui essayent de faire croire aux gens que ce sont les élections qui doivent résoudre les problèmes des Congolais. Alors, comme ils ont beaucoup plus parlé des élections et qu'ils veulent à tout prix les élections, mais il faut s'y mettre. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Lorsque vous avez exigé les élections et on vous dit, bon voilà les élections que vous avez exigées, voilà, nous pouvons y aller, mais il y a ça comme préalable. Le débat reste là, ouvert. Bientôt la célébration de la messe électorale. Une des questions à propos de ce scrutin reste comment et qui voter. Dieudonné au Congo claire et sonne l'alarme sur voter utile selon les programmes utiles. Et au moins qui ont présenté leur programme, je vis des budgets et tout ça sur 10 ans, je vais autant de milliards et tout ça. J'ai essayé d'analyser, mais écoutez, mais au moins quelques programmes que nous avions vus, il y en a beaucoup qui ne répondent même pas aux réalités de la RDC. Et je me pose beaucoup de questions sur l'origine même de leurs recherches. Parce que pour arriver à produire un tel travail, il faut qu'il y ait des recherches. Mais si des recherches ont été déjà biaisées, mais comment ils vont arriver à diriger ces pays? C'est la question que je me pose en tout cas. Nous avons eu beaucoup de vendeurs d'illusions dans ces pays. Des gens qui viennent avec beaucoup d'illusions et tout ça, alors qu'ils ne sont même pas à mesure de réaliser ce qu'ils sont en train de dire. Nous devons vraiment faire un choix judicieux pour que le Congo de demain puisse être un autre Congo.
faudrait pas que nous puissions revenir sur les mêmes choses. En tout cas, moi je suis en train de voir le Congo sur les rails vers le développement. Et pour que nous y arrivons, nous devons vraiment choisir des gens qui ont à même l'esprit de nous amener vers le développement. Les gens qui encouragent l'entrepreneuriat, les gens qui encouragent le jeune à se créer de l'emploi, non pas des gens qui viennent garantir des faussetés aux jeunes, voilà, moi je vais vous donner de l'emploi. Ça, ce sont des faussetés. Votre magazine d'actualité a échangé avec le secrétaire général de l'UDPS Kibasa, maître Séraphin Oumba Menu, deux entretiens sur la santé du parti cher à Augustin Kibasa, à l'heure où le débat politique sur la candidature commune de l'opposition au fait rage, et bien d'autres sujets que je vous convie à suivre dans ces reportages. Secrétaire général de l'UDPS Kibasa Séraphin Oumba confirme la bonne santé de son parti en cette période électorale. Par ailleurs, maître Séraphin Oumba KPP réaffirme et insiste sur les bonnes relations qui existent entre l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Kibasa, parti cher à Augustin Kibasa Maliba Junior. Au sujet des élections, les gestionnaires de l'UDPS Kibasa doutent de l'arbitrage de Corneille Nanga, qui l'accuse d'être à tout moment à côté de Joseph Kabila. Nous avons, en fait, connu un grand coup avec la mort de notre leader, Kibasa Maliba, Frédéric, il y a bientôt 15 ans. Donc, on s'est battu pour rester sur l'échiquier politique congolais. On l'a fait. D'abord, en 2006, nous n'avons pas eu de député. En 2011, nous en avons sorti un. Espérons qu'en 2016, on fera encore beaucoup mieux. Quant au candidat commun de l'opposition, maître Séraphin Oumba, KPP, a resté optimiste. C'est une question des mêmes candidats. Ils peuvent se mettre autour d'une personne, par exemple, le cardinal, pourquoi pas, un homme de société civile de grand renom, il s'assoit autour de celui-là, il le dégage. S'il faut tirer au sort, il peut le tirer au sort, pourquoi pas. Mais quand accepter le partage des dividendes que j'ai, parce que dites-vous bien, que vous pouvez avoir un bon président que vous voudrez, si vous avez un ministre de la Justice qui invente les procès du matin au soir pour nuire à la classe politique, vous ne nous en sauterez jamais. Si vous avez un président de l'Assemblée qui refuse les motions de censure à tout bout de champ, vous ne vous en sauterez jamais. Si vous avez un ministère de la Défense, un ministère de Défense qui ne fait que vendre des munitions ou ne pas détourner l'argent de nos policiers, vous ne vous sauterez jamais. Ça signifie quoi? Nous devons avoir toutes ces ambitions, les capitaliser. Donc nous aurons un président de la République, nous aurons un premier ministre, nous aurons un président de l'Assemblée, nous aurons un président au Sénat, qui si tous acceptent la suprématie de la loi. Au regard de cette analyse, plus rien n'empêche l'union de deux ailes de l'UDPS. Et en suscitant les ponts traversant la route université dans son tronçon compris entre Yolo Izo et la commune d'Engaba, bientôt rénové, le travaux de rétapement en cours se poursuivent sans relâche. Après une longue période caractérisée de peine pour les chauffeurs et usagers de l'avenue Université, précisément dans son tronçon situé entre Yolo Nord et la commune d'Engaba, l'on peut ainsi pousser un ouf de soulagement. Ce lieu communément appelé Petit Pont, qui avait cédé coupant en deux parties la chaussée, subit des travaux d'élargissement. Le tort causé des années durant ne pourra ainsi s'effacer sitôt de la mémoire collective. Place au total, mais tous les colons à pont. Pont est comme une penza bouchée, tous les bas comme une assez. Nzélé tikali les colons. Moyen biloko ils en assez à wabana mi bali babundi to bundi ndenge nyonso. Ndenge tous les boys ceux qui mbola kake koi. Tous les amis ici na katia banda. Batoufi et les kakana balabala. L'occasion faisant les larrons, les habitants de Ngaba et Makala proposent quelques pistes de solutions pour maintenir en bon état cet endroit rénové. Normalement, tant que ça, il faut que tombe la yango l'icolo, maï et les canassés. Parce que le problème est allé en ce rotali, béton est allé. Mais béton est allé, immergé dans maï. Donc ce qui va sali que tombe la yango l'icolo,
Alors, batiki passage à Maï, tu as problème à Waté. Ces travaux remettront toute l'avenue Université dans sa robe datant. Et en religion, la fête musulmane du sacrifice édition 2018 a vécu. Célébrée trois jours durant à la mosquée du Soké, son responsable imam Famba Ali explique les thèmes choisis cette année en République démocratique du Congo. Suivez-le au micro de Junior Boutondou. Selon l'islam, Tabaski a pour signification la fête des moutons. Elle fait allusion au sacrifice qu'Abraham a offert à Dieu. Père de deux enfants, Abraham voulut offrir à Dieu son fils Ismaël. Voyant son obéissance, Dieu lui a interdit en lui demandant de sacrifier un mouton à la place de son fils. Tabaski est la fête des moutons. Fête des moutons. Il est banni. Inspiré par Dieu, pour le Congo, l'imam de la mosquée du Soké, dans la commune de Kinshasa, a choisi pour cette année les thèmes. Il a dit, il a fait. Ben, les musulmans de Basalaki de façon que le Congo est sangana. Parce que le Congo est là qui habitait Mibale, Kabwana, Penzabouye. Selon l'histoire, l'islam qui existait avant le christianisme a participé à l'unité du pays en 1840. Changeons de chapitre, parlons décoration intérieure à présent négligée par plusieurs personnes. La décoration de pièces de maison, attendez, chambres et autres salles de séjour a plutôt une importante capitale. Mais selon le spécialiste Enoko Onguma de l'Académie de Beaux-Arts, il convient au préalable de connaître les types de couleurs et les lieux visés. Reportage. La notion de la couleur dans la décoration n'est pas l'apanage de tout le monde. Mais qui sont vraiment ceux-là qui s'intéressent à la signification de couleurs avant de les appliquer sur le mur d'une maison? Porteur d'un message, il est impérieux d'en connaître l'importance et la symbolique. Le premier aspect, c'est l'aspect esthétique, qui est d'ailleurs l'aspect, je dirais, un peu plus prépondérant. L'homme est toujours en quête du bien-être. Il nous est appelé, si je peux le dire, de chercher à comprendre que signifie chaque couleur pour nous permettre à faire des choix judicieux. Je prends par exemple le bleu. Le bleu qui est froid, le bleu symbolise le ciel, l'infinie grandeur. Le bleu, voilà pourquoi il est parfois conseillé dans les chambres de garçons. C'est l'identité même de l'homme. Lorsqu'on parle de la couleur rouge, le sang, la vigueur, la puissance, l'autorité, le pouvoir même. Or, cependant, nous pouvons être dans tel ou tel autre espace destiné pour tel type de personne. Lorsqu'on y apporte, on fait un choix de la couleur, il est important de pouvoir connaître le sens même de cette couleur. Choisir la couleur qui entoure notre environnement quotidien n'est pas un acte anodin. Mais quelle couleur pour quelle pièce de la maison? On ne choisit pas seulement par rapport à la symbolique de cette couleur, mais également on doit faire un choix en fonction de l'occupant. Pour les salons, par exemple, il y a des couleurs d'accueil. Je prends par exemple la pierre de France. Je prends de l'ocre. La couleur champagne. Pour les chambres, par exemple, pour les parents, nous avons besoin de pouvoir peut-être mettre du blanc. Quelle est la couleur qui va aller avec la cuisine? Il y a un peu à boire et à manger, mais de manière scientifique, il y a des couleurs recommandées pour tel espace. La couleur influence notre vie au quotidien, il faut en tenir compte. Quelques conseils pour une décoration harmonieuse et agréable à regarder. Contacter les professionnels, les techniciens en la matière, qui ont la maîtrise de l'application de la couleur, parce que cette couleur que vous-même vous avez choisie peut vous rendre malade. Cherchez à comprendre votre tempérament. Qui êtes-vous? Parce que votre tempérament fait partie de votre identité. Il faudra aussi chercher à comprendre la psychologie de chaque couleur. La notion d'esthétique est profondément liée au choix de sa couleur, influençant au même moment la décoration.
Et en santé, ne jamais perdre espoir, même la maladie agonissant. Ces messages viennent du centre médical El Rafa de Yolo avec sa nouvelle promotion dont la prise en charge des cas de maladie. Le centre médical El Rafa vous invite aux soins médicaux de qualité à moindre prix. El Rafa, c'est le nom que nous avons attribué à notre institution. Nous avons préféré le nommer El Rafa, El comme Elohim, Rafa comme guérisseur, donc Elohim qui guérit, Éternel qui guérit. Parce que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et nous, nous avons placé Dieu au centre de toutes nos activités. La promotion, pourquoi elle est là? C'est pour aider le peuple congolais qui est démuni dans son quotidien. Nous voulons à ce que toute personne puisse avoir accès aux soins de santé primaire. Avec 7000 francs, tu peux bénéficier d'une consultation, d'une fiche et des examens de laboratoire. Tous autres traités, malades, ignorants. Nous n'avons pas besoin de transférer les cas, nous prenons tout, même le cancer, on le prend en charge. La chimiothérapie, tout ça là. Batunyo soba yebe te goza difficile, c'est ma maladie nyonso. Mais moi, je veux que ma maladie nyonso par rapport à ma prix au besoin qu'à traitement ailleurs. Ici, il y a un rabais. Ça veut dire que ici, ma prix, pour que vous puissiez vous retrouver. Sauf que tu découvres que ça prend ma asthme, maladie à paiement. Tout ça, ma machine, le goza, ma nébulisateur, comme ça, bien, ma aérosol. Vous venez, ma tchelio, ma séance, et vous récupérez de manière spectaculaire. Pas tout, vu que séance, ça a 20 dollars. Mais abuso, c'est pas 20 dollars. Abuso, tout, les a en francs. 15 dollars, radio nyons, partie nyons en zoto, 15 dollars. Tant qu'il faut que tu échographies, 10 dollars, 10. Toujours, il y a le gola hernie, appendicite, 80 dollars. Et puis j'informe les gens qu'il y a 80 dollars, il y a un hôpital, où ils ont bien un séjour. Et puis dans la chambre, il y a une salité, chambre VIP. Toujours, il y a le gola bamium, 200 dollars, 250, salé bamium. Donc tu sais que ça, on est bien, c'est le coup de tabac, on vérifie, c'est à sol, on a fait ça. Il y a une césarienne, 250. Et puis, il y a un bâti, c'est un bisou. Nous sommes là pour vous, nous vous attendons, venez nombreux. Le médical, vous montez avec Bongolo, croisement Kimwenza. Vous entrez sur Kimwenza, dans le côté Ayolo. Première avenue à gauche, deuxième à gauche, c'est l'avenue Ngoufou, numéro 7. Référence, arrêt Jamar. Tout à fait autre chose, Kinshasa Makambo, disent les sages, les phénomènes Oudjana, fait désormais rage dans la mégalopole kinoise. Il symbolise tout simplement les catégories de filles dont l'accoutrement suffit à les identifier. Noéla Anakeka. En vogue depuis un certain temps dans la capitale kinoise, Oudjana, qualificatif attribué pour la plupart aux jeunes filles, semble enchanter une frange importante du public. Synonyme d'être à la mode, ce style n'est qu'une influence de la mode européenne qui tente de s'installer à Kinshasa. Qu'est-ce alors Oudjana? Les parents sont appelés à agir pour remédier à ce vent qui, pour ce monsieur, va d'ici là détruire les bonnes mœurs. Nous avons des parents. Parce qu'il faut que nous ayons une éducation, une bande, une école, puis une bande. Mais nous avons des gens qui ont une éducation bafouée. Les parents, nous avons des parents, tous ont un relève, il y a des bandes, nous avons des parents qui sont longues. Parce que nous avons des parents qui sont couchés. Na bengiye itandike na ligne to soyina ye so bakangi biso abake na violer mais na violeté parce que ngana soyina ye mwana to yokani beaucoup de violence. La charge serait partagée car seuls les parents ne sont pas à même d'y remédier vu ses origines. Les autorités, la famille, l'église et l'école, tous sont appelés à mettre la main dans la pâte et agir face à ce phénomène.
C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre aimable attention. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Je vous revois la semaine prochaine, Inch'Allah.